Ok, bon, je vais te filmer. Viens plus à droite, s'il te plaît. Attends, oui. Non, ne démarre pas tout de suite. Pas encore. Voilà, maintenant, mais doucement, doucement. Ok, à tout de suite. Vous vous souvenez? Il y a une dizaine d'années, on faisait encore nos films en Super 8. On avait même parfois le son. La fixation de l'image, obtenue à l'époque de façon chimique, est aujourd'hui le résultat d'un procédé électromagnétique. Avant de vous expliquer ce concept un peu plus en détail, laissez-moi vous présenter le contenu de ce cours. Nous vous expliquerons comment fonctionne une caméra. Nous vous donnerons des notions de support d'image et des exemples pratiques de réalisation de cassettes vidéo. À l'occasion d'un mariage, pendant les vacances et lors d'une naissance. Nous vous expliquerons également quelques erreurs courantes illustrées d'exemples. Commençons par la première partie consacrée à la technique de l'image. Une image est composée de plusieurs couleurs, du rouge, du vert et du bleu. Un microprocesseur photosensible transpose ces couleurs en signaux électroniques. Une tête d'enregistrement les transcrit sur la bande. Lorsque cette bande passe le long d'une tête de lecture, l'image peut être à nouveau visualisée. La vidéo est devenue mon hobby aussi, mais tout ça n'est pas si simple. C'est en regardant les autres qu'on apprend. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai déjà appris. Commençons par l'achat de la caméra. Quelles sont les fonctions dont dispose une caméra moderne? Un panneau de commande. Un bouton de fading pour faire passer une image au noir à la fin d'un film ou pour faire apparaître une première image au début du film. La plupart des caméras vidéo sont équipées d'une mise au point automatique. Le bouton focus permet de focaliser l'image. Un panneau pour la réalisation de titres, éventuellement superposition aux images. Diverses sorties permettant d'envoyer les images et ou le son vers un support externe. Un bouton de zoom pour rapprocher un objet ou une personne, ou au contraire l'éloigner. Plus l'objet est rapproché, plus il attirera l'attention. Avec une bonne caméra, il faut utiliser une bonne cassette. Cet élément est trop souvent négligé. Quelle est la différence entre une bonne cassette et une mauvaise? Sans doute allez-vous penser, elles se ressemblent toutes. Pourtant, il y a tellement de choses à en dire. Une bande se compose de différentes parties. Le support, le collagène, la matière métallique et la couche de protection. La qualité de ces éléments réunis dans un bon boîtier avec un guidage souple détermine la qualité d'une cassette. Et la qualité de la cassette détermine à son tour le parfait état et la longévité de votre précieuse caméra. L'emploi d'une bonne cassette est donc primordial. Maintenant, c'est le grand moment. Au début, j'enregistrais tout ce que je voyais, mais j'ai très vite compris que de cette manière, je ne parviendrais jamais à progresser.
Oh là là, lorsque je repense à mes premiers enregistrements, il y a vraiment de quoi rire. Allez, bon, retourne, voilà, comme ça. Bon, tu attends maintenant parce que je vais te filmer, tu fais rebondir la balle le plus haut possible et puis hop, Beau la rattrapera en plein vol. D'accord, on va faire comme ça. Alors surtout, tu attends mon signal, c'est important. Attends, je regarde. Ok, je crois que... Oui, vas-y, voilà. Bon, on va y aller, tu es prête? Attention, il va faire rebondir. Et elle est Beau. Attends, Beau. Ok. Allez, c'est parti. Vas-y. Voilà. Ouais, super. Reviens, Beau, reviens. En utilisant un pied statique, les prises de vue horizontales sont beaucoup plus stables. Il ne s'agit pas là d'un investissement important, et ça en vaut vraiment la peine. Pour d'autres plans, il suffit d'essayer de trouver un petit appui improvisé. Nous sommes tous habitués à la qualité d'image de la télévision. Mais pour atteindre cette qualité, il faut plus qu'une simple caméra. Une formation et une longue expérience ainsi qu'un important matériel sont nécessaires. Toutefois, je peux vous montrer comment il est possible de faire un compte-rendu attrayant de la manière la plus simple qui soit. Il s'agit de s'entraîner à faire des prises courtes et pertinentes. De cette manière, le montage est déjà réalisé dans la caméra. Je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'un membre de votre famille ou un ami vous demande de filmer son mariage. Vous avez deux approches différentes. Vous êtes encore là? Admettez que ce n'était pas très attrayant. Voyons ce que l'on peut montrer dans le même temps. Maintenant, voici la version courte et concise.
Voilà, nous avons pu vous montrer plus d'informations dans le même laps de temps. Qu'avons-nous fait? Nous ne filmons que des séquences courtes. Nous terminons les prises et nous ne nous arrêtons donc pas en plein milieu d'une scène. Regardez ce qui se passe. Voici une scène bien achevée. Et voilà ce qui se passe quand on arrête en plein milieu. Nous ponctuons les détails de vue générale. Nous veillons à ce que la luminosité soit suffisante. Nous marquons nettement la transition entre une situation et une autre. Un autre point important est la préparation. Prenez contact au préalable avec les intéressés. Ceci afin de déterminer leurs souhaits. Veillez à être sur les lieux légèrement en avance. Un autre conseil, faites des essais pour les scènes dont vous n'êtes pas sûr. Les enfants sont un sujet très prisé. Souvent, la naissance d'un enfant justifie l'achat d'une caméra vidéo. Et bien que vous ayez peut-être envie de tout filmer, il vaut mieux ne pas filmer en détail. Le fait de ne pas filmer pendant un moment permet d'avoir une meilleure idée du déroulement. Voici quelques conseils. Filmez également les enfants en tenant compte de leur perception de la réalité. Placez-vous donc à leur hauteur. Si leur âge le permet, prêtez aux enfants votre caméra, éventuellement leur donnant quelques instructions. Cela peut donner des résultats surprenants. Les vacances sont un autre sujet très populaire. Ici aussi, une bonne préparation vaut son pesant d'or et évitera peut-être que papa passe toutes ses vacances l'œil rivé à la caméra. Imaginez que 3 minutes de prise quotidienne pendant des vacances de 20 jours représentent un film de 60 minutes. La question est de savoir si vous regarderez jamais un film de vacances qui dure une heure. Pour éviter de réaliser des reportages fastidieux que personne ne visionnera, préparez vos prises de vue. Dans le cas de vacances, pensez à établir une sorte de script. C'est très simple. Dressez une liste de moments importants et déterminez le temps que vous réserverez par jour à chaque épisode. Voici un exemple de script. Le premier jour, nous filmons. La préparation des valises. Une carte avec l'itinéraire du jour. Évidemment, le départ en vacances. Le pique-nique en cours de route. Et enfin, l'arrivée à l'hôtel où nous allons passer la nuit. Au total, nous ne filmons pas plus de 3 minutes. Le deuxième jour de vacances, nous filmons le départ de notre hôtel. Une carte avec l'étape du jour. Un court arrêt pour visiter un château. Une promenade à travers une petite ville avec quelques scènes de la piscine où nous sommes rendus pour profiter du beau temps. Temps de prise total, 4 minutes au maximum. Le troisième jour, nous filmons la poursuite de notre route. L'arrivée au lieu de destination. Le déballage des valises.
et notre première soirée sur notre lieu de vacances. Durée totale de la séquence, 4 minutes maximum. Le quatrième jour, nous filmons l'exploration des environs, notre promenade à bicyclette et surtout la relaxation après les efforts. Notre délicieux dîner dans un petit restaurant et enfin notre retour à l'adresse où nous logeons. Durée totale, 4 minutes. Nous avons déjà un reportage de 15 minutes. Notre but est de limiter la durée du film de vacances à 30 minutes, 40 minutes maximum, car il y aura d'autres vacances l'année prochaine. Filmer la naissance de votre enfant, si tel est votre désir à tous deux, n'est pas quelque chose qui se fait en deux temps trois mouvements. Ici aussi, rien ne vaut une préparation minutieuse. D'une part, demandez-vous si vous allez filmer vous-même la naissance, et d'autre part, s'il est préférable de filmer la naissance sur une cassette séparée. Nous allons nous limiter à quelques recommandations toutes simples. Avant de filmer, marquez sur un plan les endroits où vous allez placer la lumière et la caméra. Déterminez à l'avance ce que vous voulez filmer, ainsi que les images qui vous serviront à réaliser un bon montage. Allumez la lumière longtemps à l'avance pour donner à tout le monde le temps de s'y accoutumer. Ne passez pas votre temps à filmer. Un montage simple peut être réalisé à l'aide de deux caméras. Pour faire un vrai montage, vous devrez suivre des cours spéciaux. Mais rien ne vous empêche de tenter le coup en adoptant des solutions simples. Il est important de savoir qu'il s'agit toutefois d'une besogne très fastidieuse. Récapitulons une fois encore. Tout d'abord, l'importance d'une cassette vidéo de qualité. Utilisez une cassette vidéo de qualité pour préserver votre caméra de grande valeur ainsi que vos films inestimables. Préférez une cassette neuve au reste d'une cassette vidéo usagée. Vous éviterez ainsi les interruptions dans votre film. Quelques conseils pour améliorer vos prises de vue. Utilisez un pied ou cherchez un appui pour obtenir des images stables. Réalisez un script ou une sorte de schéma des prises de vue dans lequel vous indiquez les images qui vous serviront à réaliser un bon montage. Marquez sur un plan l'orientation de la lumière et la disposition de la caméra. Ne filmez que des séquences courtes. Terminez vos prises de vue et n'interrompez pas les prises en plein milieu d'une séquence. Cela donne un résultat instable. Voici une série d'exemples et de conseils pour la réalisation de bonnes prises de vue. Si une personne disparaît de l'image par la droite, elle devra entrer par la gauche dans la séquence suivante. Si les personnes A et B sont en face l'une de l'autre, la personne de gauche devra être filmée de gauche à droite. Et la personne de droite à gauche. Une personne qui entre dans le champ de l'image et qui la remplit dans sa totalité constitue une excellente transition avec la séquence suivante. La mise au point manuelle sur un sujet puis sur un autre vous permettra d'obtenir des effets intéressants. Le but du montage est avant tout de raconter une histoire dans un laps de temps agréable. Pour obtenir une succession d'images logiques, il est nécessaire d'avoir des images de transition qui indiquent un changement de temps ou de lieu, telle une horloge. Veillez toujours à avoir une luminosité suffisante. Si le témoin de votre caméra indique qu'il n'y a pas suffisamment de lumière, vous devrez utiliser une lampe.
Il existe dans le commerce des lampes à accumulateur qui conviennent parfaitement. Vous obtiendrez une bonne répartition de la lumière dans un espace donné en dirigeant la lampe vers un plafond blanc. BASF espère que ce film d'instruction vidéo vous aidera à devenir un caméraman expérimenté, mais surtout passionné.